mes puzzles pour les tout petits à partir de 2 ans. C'est la marque Ludatica qui propose les puzzles adaptés pour les enfants à partir de 2 ans. Celui-ci, c'est sur le thème de la ferme. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. En fait, ce sont des grandes pièces comme ceci, donc facilement saisissables par l'enfant parce qu'elles sont vraiment très très grosses. Donc ça, je trouve ça chouette. Et il y a deux styles de puzzle. Il y a tout d'abord un côté où en fait, vous pouvez faire les animaux. Donc par exemple, là, celui-ci, là c'est le mouton, cherche l'autre partie. Voilà, un côté comme celui-ci, vous allez faire le mouton par exemple. Voilà, je vais faire le mouton sur celui-ci. Je vais chercher le dernier. Où est-ce qu'il se cache le mouton? Le lapin, vous avez la vache, le cochon. Et en fait, il y a deux sortes, deux côtés de puzzle. Un côté où en fait, vous avez un cadre blanc qui vous permet donc de faire les animaux individuels. Et un côté où vous allez pouvoir faire la partie avec la ferme. Donc la ferme, en fait, c'est pareil. Ce qui est bien, c'est que c'est constitué de petits puzzles, donc de 4 pièces que vous assemblez ensemble. Donc ça, je trouve ça super pratique. Parce que du coup, c'est pas un très très grand puzzle qui est un petit peu compliqué pour les enfants de cet âge de faire des très très grands puzzles. Là, ça va être vraiment un petit puzzle. Donc là, par exemple, vous avez le mouton en 4. Et si vous mettez de l'autre côté, on peut faire en fait une partie de la ferme, pareil, avec les 4 puzzles. Donc là, vous insérez en fait les 4 et ça fait une partie de la ferme. Et au fur et à mesure, vous collez les différentes parties des puzzles et ça vous fera un très grand puzzle. Donc un côté, c'est pour faire les animaux à l'unité et l'autre côté pour faire un très grand puzzle. Donc c'est vraiment très sympa, c'est à partir de 2 ans, c'est Ludatica qui fait ça. Et les pièces sont vraiment solides et adaptées à l'enfant des petits, donc pour les 2 ans. En tout cas, on vous en reparle sur le blog, on vous dit au revoir.